Les amis internautes, bagala compliqué pour ancien président Michel Joseph Martelly. Pour le moment parler là, ancien président Martelly, non route pour venir répondre à une question, la justice. Sous affaire assassinat, ancien président Jovenel Moïse. Nous tous connaissons, non Martelly fait gros tollé dans l'assassinat ancien président Jovenel là. Il y a des gens qui disent, Martelly, c'est exactement parrain. Parrain qui mangeait chat là. Comprenez bien, oui? Martelly, non, out. Femme ou bien? Et moi, ça qui m'a là, m'a li, suite après, yon média qui en ligne, qui fait qu'on est demain mardi, 3 octobre, qui vini là. Martelly apparaît pour venir répondre à une question, juge, instructeur, Walter ou Esser Voltaire. C'est journal en ligne ça qui c'est Haïti Pro, Haïti Info Pro, et vous allez le c'est lui-même qui révèle l'information si là. Et puis tout, côté information, il y a une force, il y a une brinni, c'est suite après, un journaliste qui travaille pour le journal Miami Herald, lui-même, lui dit, lui confirme l'information si là, côté que chantait suite Mikia, ancien président Michel Joseph Martelly, lui déjà en route pour entrer dans Port-au-Prince pour venir répondre à une question. Juge Walter Wessel Voltaire sous affaire assassinat. Président Jovenel Moïse là. Est-ce que toutefois, si on joue Martelly coupable, il trempe tout bon vrai dans la mort Jovenel Moïse, est-ce qu'il y a tout qu'un bel? C'est question qu'a posé et moi-même pas de réponse. Mais après, rappelons encore, Martelly, c'est un homme non cité bien fort dans l'assassinat ancien président. Jovenel Moïse là. Gen moun ki di Martelly c'est parrain Jovenel. C'est lui qui mange Jovenel à cause Jovenel Moïse trahi yo dans secteur privé ya. Et yo même dit c'est nèg PHTK sa yo qui c'est met système nan. Nan PHTK gen plusieurs versions. Première version qui c'est Martelly, deuxième version qui c'est privé. Troisième version qui c'est PM, non, qui c'est Jovenel Moïse, et Jovenel Moïse vient trahir. Quatrième version qui c'est Ariel Henry. Cinquième version qui est liée, c'est question qu'a posé, pas de réponse. Et nous connaissons, nèg PHTK tête calé ça yo, yo dit, yo là pour 30 ans. Est-ce qu'il y a kakibé pour 30 ans? J'aimerais agir là, yo capable, oui. Si Martelly fin président, li fait Jovenel Moïse, li fait privé passe. À la suite, privé fait Jovenel Moïse passe. Toujours PHTK. Et ensuite, yon touye Jovenel Moïse, yon ba Ariel Henry passe. Toujours PHTK. Après, PM Ariel Henry, qui est-ce yon ba fait passe là? C'est question à poser. Et nous-mêmes, nous t'avons une réponse. Martelly nan route pour venir répondre à une question. Juge Walter Wessel Voltaire qui a instruit le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Mes amis, c'est la première fois où il y a le temps de gros tour comme ça. Qui c'est Martelly, ancien président? On t'a aimé pour tout qui est Martelly. Parce que il y a pile monde qui a dit Martelly doit être trempé à fond. Mais nous connaissons, tout autant Martelly peut passer devant un juge, il n'y a pas de coupable. Jusqu'à présent là, Martelly s'est présumé assassin criminel. Il n'y a pas de Martelly tout, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de Martelly pour l'argent plutôt caribé. Il n'y a pas de Martelly pour être lui, soi-disant, impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de Martelly pour faire drogue, il te dit à bouche par lié.
yo ka gen matin li pou plusieurs raisons. M'a ton demain mardi a cap 3 octobre côté Matéli la répondre question juge Walter ou c'est Voltaire. Clair. Pas de débat sur ça, demain c'est son grand jour qui est lié. Yo rendez-vous à ne pas rater pour nous comprendre jouet là et pour nous que qui Jean Matéli pour débarquer dans paquet pour venir répondre question juge là sous sa fait assassinat président Jovenel Moïse. Comme vous bien hier là m'a regardé une vidéo côté que yo mettait du fait dans caille yon juge ne ka di yon juge qui bien connu dans appareil justice là qui j'ai mis serré qui c'est juge Gauthier. Individu lourdement armé débarqué la caille juge Gauthier, yo mettait dife la donne. Regardez, on sait que cette vidéo après ça m'a tourné pour plus de détails avec précision sous caille juge Gauthier que nèg exam arrivé boulé. Vidéo ça ou sont gardé là li pa long son vidéo qui dirait 15 secondes et moun sa ka fait vidéo a n'a fait tentative pour l'entrer dedans pour ka monter que j'ai ka la boulé la fumée fait pas arrêter li obligé sorti. Vidéo ça arrivé jeune moi par un confrère journaliste on croit que monsieur Le Alvarez destiné on va écrire ça quand même. C'est lui-même qui fait une vidéo ça qui informe de ce qui a passé la caille juge Gauthier côté nèg exam débarqué la caille et puis tout yo mette dife la caille juge Gauthier. Mes amis, baga la grave, baga la empiré. Selon ce qui a passé dans le pays d'Haïti là, gen yon bilan qui arrivé dressé et moi-même t'est arrivé sauter sous bilan ça. Moi te jugé que li nécessaire pour me devine parler sous bilan ça sous plateforme pam nan qui c'est production 69 parce que bandi fait un pile mot dans pays a et la bandi ça fait moi l'état pas mezi pour ta côté carré bandi yo ou pas ouais c'est exactement avec international là. Au lieu, yo renforcé. Mais c'est nous, soit dans l'armée, ou bien tout, dans la police là. Clé. Selon ça que m'a pli sous TED Actu, ou bien TED Actu, les gens qu'on est dans l'insécurité, gang yo blahi dans le pays, ya, gen 2439 moun ki mouri pa bal bandi yo nan pey d'Haïti. Soti nan mois janvier 1er janvier, soti 1er janvier, pou rive 15 août 2023. Imagine ou. Si gen 2439 moun ki mouri an ba bal bandi, soti 1er janvier pou rive 15 août. Après août, ou juin, septembre, nous n'avons pas septembre là. Après ça, ou pas entrer, nous avons octobre. Fais un bilan partiel. Gimoun tout qui mourit, même les médias n'ont pas au courant de yo. Même les gens qui ont fait un pas au courant. Mais ça, aujourd'hui, là, lit beaucoup. 2439 moun ki mouri li trop. Oui, la pile. Gen moun ki mouri bandi yo pran yo, yo boule kadav yo. C'est ça m'a li la oui. Sous tête Actu. C'est lui même qui rapportait bagay ça.
Moi, l'aime monter sous lui moi-même. Moi, elle me dit que ça fait pas de lit. Pour avoir quand même fini, bonjour, banan gay. Avec papa ici, pas une guerre civile. Qui j'en fait que pour que tout le monde soit mort dans le pays? Et ensuite, rapport ça, c'est Nations Unies, oui, qui a été et tout, t'es actu, tout parler de lui. Selon nouveau rapport Nations Unies sorti, il y a 900 personnes qui blessé par balle. Qui balle? Balle bandit. Et ensuite, il y a 951 autres personnes qui enlevé. Même pas de enlevé, ça c'est le mot français. Qui ont kidnappé dans le pays. Ça c'est bon mot. Tout ça, c'est toujours dans la même période là. Ceci dans le 1er janvier pour le 15 août. C'est ça, Nations Unies fait nous connaître. C'est pour nous dire bien, Jean-Pierre Saïe là, je ne sais pas si ils ont allé mieux pour le pays. C'est tout, vous entendez, pays Kenya qui a pu entrer dans le pays d'Haïti avec 1000 policiers qui ont venu renforcer la police pour contre Karibadio. Selon le président Kenya qui c'est William Ruto, il fait qu'on est néglio la cap vini dans le pays d'Haïti, yo déjà apprendre parler français. Parce que le pays d'Haïti c'est deux langues qui la donne, créole et puis français. Kenya yo même si yo parle anglais. Yo di yo même, yo commencé à apprendre parler français pour les venir là pour communiquer avec la police, avec la population. Et ensuite, yo di dans mois janvier 2024, c'est date ça ou bien c'est mois ça, il a venir pour entrer dans pays d'Haïti. Imagine, est-ce que n'a pas kimbé pour nous prendre pour finir nous qu'on fini nous dans octobre, novembre, décembre, 3 mois. Et ben tu t'as prôné vivre ensemble qui t'a écrasé. Pendant 3 mois ça yo c'est coubel qui a pété. Nous gain octobre, novembre, décembre. Est-ce que n'a pas kimbé pour 3 mois ça yo pour n'a tant pays Kenya pour venir aider nous rétablir sécurité dans le pays. Et il y a là pour passer 5 ans dans le pays d'Haïti. Chaque mois, n'a payé sur la sayo, yon vom l'argent américain. Et même temps, les Kenya sayo entré dans le pays pour pas dans tout crabe. La guerre ou la soubissante, la guerre au Canara, la guerre au Cité Soleil, c'est dans la zone ça n'a besoin. La guerre au Vivi Michel, Michel même. La gueule na tabac. La gueule au quoi de bouquet. Ces zones ça nous besoin. Next on va venir là. Bon, malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour venir traiter l'autre dossier. Pas oublier, channel ça c'est Production 69. N'a demandé pour like li. Abonner. Peser sur cloche notification, retirer sur personnaliser, mettre sur tout pour pas rater une vidéo n'a gue pour nager. Sous Chanel Sila. N'allez, rendez-vous dans la prochaine émission. Sous plan socio-économique, vin piment gomè. Si bien que jodi a la, tout moun net, gon seul bagay nan tèt yo, ki jou, ki mwa, yap kite peyi a, ki ane. M'te explique ça la, moi me rencontre de moun, ki sou résidence, ki sou programme Biden nan, mais ki pa katan anko, ki oblige. À cause sécurité qui est obligé comme s'il a passé par transborder une question de Nicaragua ce Benza qui est très en vogue. D'après vous même vous pensez c'est pour plaisir monza ou envie quitter pays à tout prix. C'est parce que situation vient pi mal. C'est parce que misère vient pi mal. C'est parce que désespoir vient augmenter. Pas ouais devant, pas ouais derrière, il vient beaucoup plus criant. Par contre, vous comprenez ça oui. Tout le monde a toute couche. On moun ouwe ki djou li pa kite peyi a la nan mouman la. Si c'est pas nèg ki nan gang yo ou bien nèg k ap fè gros l'argent dans l'état dans mauvais conditions yo.
mon chef fonction mon pas bon menti vota ouais comme un héros parce que pile monde quoi jodi a là pour y arriver sauver tête y sauver famille faut que quitter ça raison c'est parce que tout simplement va gagner changer si pas gagner changer pas aucune façon pour mettre là mon ami qui gagne environ 32 à 33 ans génération. Je vais expliquer que je n'ai pas besoin de ça. Je vais le faire dans le pays blanc. Même si je fais Haïti cadeau plus de 30 ans dans la vie, déjà, il n'y a rien. Ça, Haïti, je vais faire l'autre cadeau en quantité qui est sécurité. Vous comprenez? Je vais faire l'autre pays cadeau en quantité. Si je n'ai pas de différence. Vous comprenez? Je prends un exemple. Je vais prendre plaisir à l'autre exemple. Bref, sauf façon pour me dire, tout comme ça, vous avez mis pour le ministre des Affaires sociales là. Donc, je dis à la, pour qui résultat? Reginald Robertson. OK? Kounya ou ta ka di ça pas pas gen problème. Pas gen problème OK l'état non souci pour venir avec des réponses en toute urgence. OK? Amoun sa yo nous t'a décrit là. Mais l'état ka venir avec des programmes sociaux effectivement qui dignes de ce nom. Mais par le passé qui sont constatés. Majorité programmes sociaux nèg yo vinn avec dans pays a. C'est pas pour répondre vraiment aux besoins des plus vulnérables. C'est pour enrichir tête yo. Al gade sous la mot ak mateli. Programme social yo te gagné yo. Ti maman chérie, ti maman doudou, ti papa chérie. Ti papa ba konnen l'autre bord et koré étudiant, patati patata. Lors al gade sa programme ça yo te yé. Mais c'est de gros stratagèmes de corruption pour nèg te riche oui. Nèg qui était dans FAES, vous comprenez? Nèg qui était dans ministère affaires sociales, nèg qui était dans CAS, il a trié. Vous comprenez ça me dit là? Reginald Robertson. Même sous pouvoir Ariel Henry là de 2021, dans fin année 2021, passant par 2022 jusqu'à 2023 ça là. Ouais, yo vini avec des bagages yo dit yo pral répondre souvle a besoin moun ki pi vulnérable pou venir en aide à moun ki pi vulnérable et la trier yo même vini avec des programmes sociaux dans l'air comme ça mais qu'on y a si moi même avoir besoin qu'on ait dans programme social ça yo qui sa projet a yé qui sa activité yo yé qui sa zone cible yo yé comment stratégie a yé pour arriver à atteindre moun yo pas aucun document qui disponible pour ça non. C'est le gouvernement qui doit parler de ça. C'est un ministre qui doit parler de ça. Et puis un point, c'est tout. Pas aucun document officiel qui est disponible quelque part qui dit 1, 2, 3, 4, mais qui sa programme socio-gouvernement, mais qui sa projet, mais qui sa activité à pied, mais qui sa zone cible à pied, mais qui sa stratégie à pied pour arriver à atteindre les gens qui pissent dans le besoin. C'est des bails dans l'air. Avant, vous avez parlé de 3 milliards de goudes. Nos programmes multisectoriels, côté plusieurs ministères, t'as impliqué, notamment ministère des Affaires sociales avec, bien entendu, FAES. Très récemment, là, on parlait de 21 milliards de goudes. Mais je dis à ni moins ni ou un, concrètement, nous n'avons aucun résultat. Nous n'avons pas combien de cob qui dépassait. Et si des cob qui dépassait, nous n'avons pas comment le dépasser. Pourtant, il y a paraît, il y a dit comme ça, il y a voué mon cash by moon, il a fait mon travail, cash forex, il y a pas le 10, il y a pas le ceci, il y a l'autre bas. Mais voyez, je n'en ai pas eu à mon bagage. Si des combats qui étaient faits, même le gouvernement n'a pas communiqué sur lui, il est visible. Il y a un monde qui est pour elle. Par contre, vous comprenez. Bien sûr, nous d'accord, effectivement, pour un ministère, en tant que ministère des Affaires sociales, t'as un ministère prioritaire pour le gouvernement. Mais attention! Si y a plaidé bon l'argent comme ça, bon même le, tout l'argent pas décaissé, ça nous considère ça, mais si le minimum qui vient, pas gagne monde qui connaît côté le fait, pas gagne monde qui connaît qui route li prend. Je dis on pas capable plaider pour mettre l'argent pour encore dans budget pour faire qui ça pour gagoter. Et ça fait vite comprendre que objectif là c'est pas répondre, c'est pas venir en aide souvelé à monde qui plus vulnérable. Nous plus envie quoi que jodi a nèg a utilisé ministère affaires sociales avec un paquet l'autre structure qui sous tutelle li pour faire l'argent. Il y a
Exactement. Chaudière a monté sous nos peuples là et puis il descend sous nos gros autobré, sous nos nèg politique, sous nos alliés pour voisins mes voix. Le fond clair sur ça. Si on continue à mettre l'argent disponible au ministère des Affaires sociales, dans n'importe quel budget qu'on a élaboré là, et puis à the end of the day, man, on a nos côtes que c'est la vie, merci à terre. Sinon, la vie ministre a changé. Sinon, la vie moun qui n'a cabine ministre a changé. Sinon, la vie moun qui peut-être qui était by ministre a changé. Ou bien chapelle politique qui proche ministre a changé, il a trié. Son ministère est important. Le docteur Ariel Henry a fait monter, il peut être moun ni non. Récemment, le gouvernement a fait ça, il a été lui. Oui. Monsieur le ministre en fait social tout avant. Et avant, oui, exactement, sur Martin. Oui. C'est parti ministre là tout, non, papa. Oh, ben. Voilà. C'est parti ministère là tout, non, papa. Et son ministère par le passé, toujours gros scandale quand il se fait là-dedans. On passe aux ministres de les belles via et sous Jovenel bah, qui était impliqué dans question kit scolaire bien avec les autres cités non madame Nadou madame président bah. Ministre des petits jobs mais pas occupé nous le tal jeune pigou job à l'échelle internationale et comme ça avait acheté ca servir pour voler papa des pour gagner un mauvais affaire papa il y a pas promotion je crois dans ça. Et même actuel ministre ça amis auditeurs citoyen qui est le Pierre Rico Odé, actuel ministre des Affaires sociales et du Travail, non le cité. Comme la corruption. Et nous toujours dit ça, c'est rare pays où t'en de ordonnance qui sorti voyons ministre à juger devant tribunal criminel. Et 24 heures et plus, monsieur toujours ministre, toujours. Et vous t'en fait pays, oui, papa. Yon un rare pays sous la terre béni, oui. On juge instructeur, rend une ordonnance, livre à le juger comme ministre devant tribunal criminel pour complicité dans ensemble de faits de corruption. Il reproché à un monde qui sous tutelle ou un directrice technique si m'garé le comme ça dans ministère là. Il dit que tout ça que fait que vous te connaissez ou bah disons ou était là-dedans, c'est affaire pour eux. Monsieur toujours ministre jusqu'à présent. Pas étonné depuis l'heure de sa journée, monsieur fait plus bruit machine dans la rue. Il siège dans le conseil des ministres, il fait tout bien. On a l'aime pas, on dit, avec un comportement comme ça, bon, même la mission pas d'agir volonté, job la belle, la fait comme pour le démissionner. Mais au moins, Ariel Henry ou bien pouvoir dégager, mon cher, et comme non, bah, même là, c'est pas qu'au jugement qui rend, on comprend, mais comme ministre des Affaires sociales, si on joue dans la corruption, et la trier, font-il, calme, on comprend. Monsieur bien à l'aise, bah, c'est moi, comme c'est moi-même, je suis dans le volé. Et je dis à ces ministères, ça m'a rappelé dans le précédent exercice fiscal, dans le précédent budget, qui était un gros bail dans le mêlé. Bon, ça que dit tout, si nous avons cité là, pas grand chose tout dans l'argent qui passe, tout pas contribuer dans faire ou coucher avec vous, l'argent qui est destiné pour l'assiette de peuple, pour la poche peuple là. Pas grand chose, c'est pas ça lié. Donc je dis à l'important pour nous poser question ça. Même le nous t'a dit, mais qui ça doit priorité dans n'importe ça n'a pas élaboré comme document, budget, il a trié. Mais ça est autour, il est fondamental. Il est fondamental. Dernier point, il concerne perspective qui t'a doué dégager souvelé, ou bien l'autre objectif, équipe gouvernementale là t'a doué fixer dans nouveau budget pour nouvel exercice là. Moi-même, je ne suis pas économiste, peut-être avec économiste, on va laisser garder ça ensemble, mais pas de monde qui a parlé là pour ne pas dire que la question de croissance économique, la question de l'inflation, la stabilité des prix, est fondamentale pour n'importe qui pouvoir, qui a fixé peut-être des objectifs à travers un budget. Donc, c'est fondamental. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais ça, plus important pour nous aujourd'hui, c'est ensemble de domaines qui t'a doué constituer des axes prioritaires pour l'équipe au pouvoir. Par exemple, la question de sécurité est fondamentale. Je dis à ou pas qu'à dire ou élaborer un budget pour ne pas tenir compte de qui ça a besoin yo, doué ou bien besoin yo appuyer dans le cadre de lutte contre l'insécurité dans le pays. Parce que même sous tendez de force la vini, que ni moi ni ou pas connaît si la vini demain matin, si la vini après demain, mais en attendant, c'est la police qui a gagné, en attendant, c'est l'armée qui a gagné, en attendant, c'est peut-être l'autre institution qui est impliquée dans la sécurité dans le pays. Donc, on y a la, si c'est priorité, il faut qu'on y ait ça dans le budget. Par exemple, pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui ça enveloppe là,
Vous comprenez? Qui ça l'argent y pour question formation policier, matériel pour l'institution policière, comme moi nous pas parler de l'armée même, mais yo là quand même si on a sous budget ministère défense. Vous comprenez? On peut regarder sous budget la police toi. Vous comprenez? Regardez qui ça va là y. Par contre, vous comprenez? La police besoin équipement, la police besoin ceci, la police besoin cela, la police besoin dis besoin date, mais tout ça yo faut mettre autour dans document et laisse amoni a dit ah si gouvernement fait route ça budget mon cher gouvernement très intéressé à tel ou tel domaine lui aussi valable tout je dis à là pour un domaine tant ou bien un secteur tant agriculture avec sa capacité en République dominicaine nous songe de parler avec plusieurs spécialistes qui nous ont donné une opportunité pour nous autres je dis à pour nous accorder beaucoup plus d'importance à ce secteur ça dans le pays nous. Et le gouvernement a dû montrer ça dans le nouveau document élaboré là pour question budget 2023-2024 là. C'est un bel moment tout pour dire tout mais qui mécanisme on va mettre en place pour accompagner les agriculteurs, les planteurs haïtiens au lieu nous retenir agriculture de subsistance là, je dis à vous produit à grande échelle. Soit n'a bay région côté Nia ou bien n'a fait échange interrégional et pourquoi pas non futur qui pas trop loin nous exporter tout par contre ce gouvernement je dis à tout de tout poser et problème crédit agricole là nous quoi Jovenel Moïse devine un projet BNDA Banque Nationale de Développement Agricole garder comme à travers budget nous ka vinn la pa konnen si c'est réévalué n'a réévalué budget si bon côté litérie lacune pour nous garder ça ka fait pour avancer c'est bon moment tout pour nous poser une série de problèmes et j'en a posé problème aussi à travers budget à refléter est-ce qu'il y a une volonté ou pas pour nous résoudre problèmes ça donc moi pense c'était important je dis en guise de mise en contexte pour nous délimer projecten sous question budget guerrier du seul avec nouvelle année exercice ça qui commencé à moi te dit ça n'a pas rentré dans chiffre m'a rentré dans question technicité moi quitter ça pour économiste puisque c'est Nomi Germain qui invité matin mais moi te vle montrer et auditoire là internet une nécessité qui vient pour accorder une importance capitale à cette question de budget de la République. Oui, bonjour. Oh, bonjour, Johnny. Et sans transition, n'a pas recevoir économiste et Nomi Germain qui est dans ce studio avec nous. Bonjour. Alors, bonjour, Guerrier. Bonjour, Johnny Ferdinand. Je salue toute l'autre et camarade. Son plaisir, évidemment, pour nous, dans ce moment, ça, qui est un moment extrêmement important. Parce que, et au moins, gagner trois événements, si vous voulez, ou bien trois échéances qui sont extrêmement importantes dans le moment ça. D'abord, c'est fin au exercice fiscal, Johnny saute bien expliqué là. Mais nous avons tendance à oublier tout que, gagner un document, un plan que le gouvernement a élaboré dans les années 2020 pratiquement, que on est le PRIPOC, eh bien, et le 30 septembre, c'est l'échéance du PRIPOC également. Il faut faire le point sur le document, il faut faire le point pour plusieurs raisons. D'abord, pour savoir ce qui est passé. Et ensuite, comment nous sommes capables de tirer un ensemble de leçons pour l'amélioration des actions futures. Et troisième moment extrêmement important, c'est l'ouverture dans l'autre année fiscale, Johnny. Donc c'est pour ça, justement, qu'on est là, on est bien content. Et sinon là, on démarre peut-être avec fin exercice 2022-2023. Et un coup, journal Le Nouveliste, c'est titré lit. Et si on demandait des comptes au gouvernement, donc c'est d'accord. Regardez qui ça, qui fait à travers budget 2022-2023, on t'a qu'à dire qui ça. Alors, et là, c'est peut-être un exercice qui consistait à passer en revue, si vous voulez, l'année fiscale, et en prenant en compte évidemment le budget, ou bien, si vous voulez, garder l'année à par rapport à un ensemble d'indicateurs. C'est pour le premier exercice en Takafel et ensuite traverser dans le budget. Premier exercice en Takafel permet nous un petit peu qualifier l'année. Parce que, au fait, le gouvernement, dans l'ouverture chaque année fiscale, ou bien en préparation de chaque année fiscale, élaboré guerrier un document que y aurait une lettre de cadrage que le premier ministre lycien livrait par tout ordonnateur. Pour le dire que voilà les objectifs qui sont fixés pour l'année fiscale. L'important,
temps pour nous garder document ça puisque c'est lui qui fixe indicateur. Et bien ça que tu prévois pour exercice ça qui s'est réalisé avant nous traverser dans budget. D'abord pas oublier Johnny saute bien et où la question bien évoquer question c'est que le gouvernement a des objectifs de croissance économique. C'est important guerrier parce que toute économie doit faire croissance pratiquement puisque c'est croissance qui fait produire richesse pour répondre à des besoins qui ont tendance à augmenter chaque jour qui joue. Et bien le gouvernement a un objectif de croissance de 0,4%. À la fin de l'exercice, combien il fait? C'est moins 0,4%. Et Johnny Ferdinand, de façon brillante, s'est expliqué que, écoutez, c'est quatrième année de suite que l'économie haïtienne li connaît une croissance négative. Et ça, il faut chercher sur les 50 dernières années, pas besoin de jeûner. Donc, c'est 4 fois de suite, nous pas fait croissance économique. C'est le premier élément, c'est-à-dire, objectif là, t'es fixé, mais il n'est pas atteint. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est justement la question des prix dans l'économie. Puisque il est important pour prix, pas plaider varier, puisque moi-même, avant, nous besoin de faire planification. Je veux dire, à lever, tu vas me dire, regardez 25 gouttes, les 25 gouttes d'après. La nuit à la planification économique du ménage, c'est-à-dire moi-même avoir. Mais la nuit à l'entreprise dans tout. Entreprise dans un ensemble de prévisions que l'a fait chaque jour. Donc, il faut prix au stable. La nuit à l'État, tout. Puisque l'État, il a un budget. Si chaque jour prix a varié, budget a perdu valeur dans le même. Et bien, le gouvernement te dit que l'arrivée 30 septembre, l'a quimbé inflation. Objectif, oui. L'a quimbé inflation à 24,5%. Nous pouvons arriver dans données septembre. Données publiées au dernier par IHSI, c'est données juillet. Et mais c'est une inflation de 38,9%. Donc, gouvernement, dans lunettes pâles, il était 24,5%. Jodhia, nous avons 38,9%. Et ça fait d'Haïti, quatrième pays dans tout continent américain qui a une inflation plus importante. C'est-à-dire une inflation pire, quatrième pays. Et pas oublier, non, l'autre pays qui est dans cette situation, ça, c'est des pays qui sont dans une situation particulière, comme l'Argentine, etc. Le Venezuela, qui a des problèmes particuliers. Donc, ça veut dire que en Haïti, nous pas dans question instabilité prière du tout. Mais il y a l'autre objectif que le gouvernement a fixé. C'est objectif par rapport à commerce extérieur. C'est-à-dire que le gouvernement dit, économie, hein, pas qu'à plaider dans importer, faut justement li balancer rapport. Yo. Ça veut dire pour l'exporter plus, pour l'importer moins. C'est-à-dire, le gouvernement a voulu réduire déficit commercial que nous gagnons. Et mais qui s'est arrivé? Dernières informations sont beaucoup disponibles. Mais la Banque centrale, dans notre politique monétaire, il dit nous que au troisième trimestre, exportation Haïti baissé d'environ 24%. Ça veut dire que le gouvernement est en train de faire augmenter les exportations pour baisser les importations. Ce qui arrive, c'est que les exportations du pays ont baissé d'environ un quart, c'est-à-dire de 24% pratiquement. Donc là encore, gouvernement passé très très loin par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Mais le gouvernement avait également, Johnny, des objectifs sociaux. C'est-à-dire que sur le plan social, comment un pays comme ça, à côté qu'un paquet de monde a vécu dans l'insécurité alimentaire, on a commencé à exercer, c'était environ 48% de monde qui a vécu dans l'insécurité alimentaire. Le gouvernement dit, écoutez, la bataille contre l'insécurité alimentaire. Mais je dis, sur chaque deux Haïtiens rencontrés dans la rue, en moyenne, il y a un ladeau grand goût. C'est pour expliquer ça. Ça veut dire, je dis, il y a à peu près 50% Haïtiens qui dans situation insécurité alimentaire. Donc sous kembe quatre éléments ça yo dans économie, il y aurait les quatre éléments ça yo mettre ensemble forme un carré, il y aurait le carré magique de Nicolas Caldoz. Ça veut dire que et on va regarder justement ça qui a passé à l'intérieur de l'économie. Et bien Johnny, sous quatre indicateurs ça yo, le gouvernement a échoué. Autrement dit, le bilan en termes d'indicateurs, c'est un bilan de l'échec tout simplement pour l'année. C'est-à-dire, soit regarder l'aide de cadrage, sa gouvernement dit l'a fait à sa réalité alliée. C'est-à-dire, c'est deux bagages extrêmement différents. Mais maintenant, on se pose des questions par rapport au budget. Effectivement, sous garde budget à tout, ou après son résultat, mi-fig, mi-raisé, mais qui s'approchait beaucoup plus de l'échec. Et on va voir ça. Johnny s'est expliqué qu'on a eu un budget, le budget 2022-2023, d'environ 267,5 milliards de gouttes. C'est-à-dire, c'est prévision gouvernement est faite. Mais combien le mobiliser? Eh bien, au 30 juin 2023, justement, c'est-à-dire au terme du troisième trimestre de l'exercice, lors du troisième trimestre d'exercice, lui veut dire, il y a quatre trimestres dans l'exercice en guerrier, ou sous troisième, non. Donc, c'est 3 sous 4 ou sous 75% d'exercice. Dans 75% d'exercice, c'est 48% dans comme l'État a dit la mobiliser, elle veut mobiliser. Donc, on a 75% d'exercice là, mais voilà que, selon un document justement qui est publié par le ministère de l'économie et de la finance, qui aurait les TERADA, c'est tableau d'exécution des ressources encaissées et des dépenses exécutées. C'est ça, le ministère de la finance publié. Évidemment, là, il faut le souligner, son élément justement d'information que le ministère a publié pour que nous puissions passer dans l'économie. Eh bien, ça montrait tout simplement que le gouvernement n'est pas prêt du tout. Objectif lié en termes de mobilisation de ressources. Donc,
nous t'ai dit au début de l'exercice, ce budget pas de paraître nous réaliste. Pour qui ça? Parce que le budget il y a un déphasage avec la réalité sécuritaire du pays et la réalité politique. Lorsqu'on a un budget comme ça, lorsqu'on a une situation comme ça, on n'a pas gagné trop d'ambition. Le gouvernement avait de grandes ambitions, mais ce qui était arrivé, c'est que ce qui va arriver justement, c'est que les ressources n'ont pas patent. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas patent les ressources. Mais résultat fait, à, qui va le faire, c'est la douane en particulier. Parce que la douane, a un résultat pratiquement intéressant, je ne te dis pas le là. Résultat, c'est que, évidemment, il y a de mobiliser environ 69 milliards de gouttes. Au troisième trimestre, c'était déjà autour de 66 milliards de gouttes, c'est-à-dire un taux de réalisation d'environ 95%. La DGI, justement, pas gagné un résultat qui est autant intéressant, mais en tout cas, la DGI lui a emboîté le pas. En tout cas, le grand manquement, ce sont les ressources externes, c'est-à-dire ça l'État obtient dans mes partenaires bilatéraux ou bien multilatéraux. Ça veut dire que bon ensemble de monde qui dit l'État, on met préparer le budget, oui. On met comme la donne. À la fin de l'exercice, on a beaucoup comme. Pas de monde qui baille comme. Seul le Fonds monétaire international qui baille 4 milliards de gouttes. Pas oublier, non? En point que l'État a voulu faire dans mes secteurs externes, c'était environ 15 milliards de gouttes. Au 30 juin, c'était 4 qui étaient décaissés. Dans 15 ans. Les dons. Il y a 40 milliards de gouttes de pour mettre à l'État. Il y a une situation difficile, nous allons le faire, nous allons le faire. Il y a pour mettre 40 milliards de gouttes. Au 30 juin, le ministère financier dit qu'il n'y a pas encaissé rien. Donc, c'est-à-dire zéro goutte en quelque sorte. Autrement dit, 128 milliards de gouttes, là, c'est justement des ressources domestiques. C'est comme qui mobilisait à l'intérieur du pays. C'est comme si Mdado ou un graisse cochon là, capu de cochon pratiquement. Donc là, c'est soit garder globalement les prévisions, mais maintenant et les exécutions. Nous sommes dit que le gouvernement mobilise environ 128 milliards de gouttes, et bien le gouvernement font effort. C'est pour ça que nous avons dit que il faut reconnaître ça. Le gouvernement font effort. Et bien l'effort, c'était quoi? C'était que les dépenses ont été relativement maîtrisées par rapport à l'année dernière. Relativement maîtrisées, vous l'avez dit que le gouvernement, parce que le Fonds monétaire international signe un accord avec l'État haïtien, justement, qui dit l'État haïtien limité. Dépensons en quelque sorte, et surtout camper question subvention, hein, c'est-à-dire question pétrolière, camper question subvention pour moi de toute façon, parce que pas oublier non, depuis Fonds monétaire international mandé gouvernement ça, pas oublier c'est un gouvernement qui tire légitimité de l'international, que situation a bon pour population, qu'elle pas bon, pas de choix, l'État a suivi, malheureusement. Et mais ce qui est arrivé justement, c'est que l'État a suivi, et l'État aujourd'hui, attendez bien, il fait 7 sous pétrole. Ça veut dire, je dis à nous pas subventionner pétrole encore, gagner recette sous pétrole. Et bien, le gouvernement réussit justement à baisser les dépenses. C'est pour ça que le financement monétaire, notre politique monétaire, Banque centrale, qui est sortie il y a quelques jours, dit que yo finance l'État, financement monétaire, c'est seulement 8 milliards de gouttes que l'on. Alors que, l'année dernière, nous étions déjà presque les 40 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire que le gouvernement au moins maîtrisait ses dépenses parce que le Fonds monétaire international lui mandait ça en quelque sorte. Mais, maîtriser des postes là au profit ou bien souvler et au prix de quoi? Ça c'est extrêmement important, oui. Au prix de quoi? C'est au prix justement de l'investissement. Au moins ça veut dire, gouvernement dit la machine administrative de l'État, les dépenses de fonctionnement n'a pas fait, mais nous allons renforcer l'économie, nous pas faire investissement dans l'économie. Attendez bien, au 30 juin, sous chaque 100 gouttes qui te prévoit pour financer investissement dans l'économie, c'est-à-dire pour construire, c'est 11 gouttes qui décaissent. Un taux d'exécution de 11%. Ça veut dire au 30 juin, ou gon économie qui a crasé, évidemment, il y a la partie de l'urgence. On a besoin de renforcer l'économie parce que ou gon économique dans la dépression. C'est une situation de dépression particulière que nous y est là. Une dépression économique, c'est-à-dire une récession durée. Côté que l'économie, c'est perdu, la perdu chaque année. Eh bien, il faut renforcer l'investissement pour renforcer l'économie. Et le gouvernement dit, investissement, ça, nous-mêmes, un gouvernement de transition, nous y est, nous n'avons pas investissement. Donc, le taux d'exécution le plus bas de tout le budget, c'est les dépenses d'investissement, c'est 11%. Ça veut dire ça a son situation extrêmement critique. Et situation ça, justement, il dit que année cap venir, nous pas faire croissance. Parce que justement, nous pas investi en rien qui pour permettre que année cap venir, nous fait croissance économique. Donc, pas oublier ça. Mais maintenant, dernier point en matière d'exécution que et Johnny Sauté et relaté, c'est que le gouvernement avait des objectifs sociaux extrêmement ambitieux. C'est première fois dans toute histoire pays ça hein, que le ministère des Affaires sociales et du travail, c'est ministère qui a un portefeuille qui est bien important. Seul poste budgétaire qui était devant, c'était la dette publique.
C'est-à-dire qu'il va oublier son pays qui a une dette, bon, on va pas dire très élevée, mais relativement élevée, parce que le pays a doué à la faveur de Petro-Caribé, le pays a un ensemble de dettes internes tout. Et c'est eux qui portent la dette interne, mais pas oublier, dette Petro-Caribé, ils sont là tout pratiquement. Et bien maintenant, quand justement le gouvernement oblige à payer les services de la dette, parce que l'opprès est comme là, attention, faut payer, on partit d'un moment l'argent chaque année, mais faut payer tout intérêt sur l'argent tout, c'est-à-dire le service de la dette. Et bien, dette publique dans le budget, c'est l'île dominée. Et ça, c'est un danger, ou pas qu'à un budget, ça qui est important là-dedans, c'est dette. Alors que le budget a un bon marge de manœuvre justement pour faire des actions, pour poser des actions dans l'économie pour renforcer, mais voilà que c'est payé ou à payer dette.